reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire sérieuse qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi les gens peuvent faire ça, surtout dans l'église, surtout venant des soi-disant hommes de Dieu ou pasteurs? Quel est le problème? Je vous explique. En fait, il y a un célèbre pasteur du Nigeria qui est décédé récemment. Il est décédé en début juin. Il a été enterré récemment aussi. Il s'agit de Tibu Yeshua. Tibu Yeshua est décédé. Et quand il est décédé, ça remue les réseaux sociaux. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était juste de voir ce qui allait se passer après son enterrement. Ou bien bon, d'abord à son enterrement, dans ses funérailles, puis son enterrement. Et les gens, ils étaient là en train de se poser des questions. La question du genre, ah, est-ce qu'on va voir les collègues de Tibu Yeshua le soutenir, au moins souhaiter les condoléances? Et la plupart de ces gens s'attendaient à ce que ça se passe ici. Moi-même, j'étais là et je me disais, bon, Tibu Yeshua, c'est quand même un célèbre pasteur. Il fait partie des pasteurs les plus riches d'Afrique. Donc, normalement, tous ses camarades pasteurs devraient venir aussi. Et nous, on était juste là pour voir comment les pasteurs se soutiennent. Même dans la mort. Vous voyez, non? Mais on a été choqués et surpris, hein, de découvrir que aucun grand pasteur qu'on connaît dans l'Afrique, même au Nigeria, ni aller au funérail de Tibu Yeshua, ni à son enterrement. Tout le monde est choqué. Est-ce que moi je suis choqué? Pour moi, ça m'étonne un peu. Vous voyez, non? Ça m'étonne un peu. Parce que on connaît les Christ Oyakhilome. On connaît pas mal de pasteurs comme ça, qui sont au Nigeria, qui font beaucoup de bruit. Même, comment il s'appelle là? Celui-là qui voulait résister à moi, et puis ça n'a pas marché là. Il y a plein comme ça. Mais quand tu Tibu Yeshua est mort là, on n'a vu aucun d'entre eux venir juste pour tenter même de prier sur le corps pour que Tibu Yeshua puisse revenir à la vie. On n'a vu personne. Je dis bien, personne de chez personne. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Et ça là, ça fait mal à beaucoup de personnes. Surtout certains chrétiens qui se disent, mais ah, on dit qu'on est chrétien, non? Comment est-ce qu'on perd un membre de notre famille et qu'on ne veut pas se soutenir? D'autres sont dessus. D'autres sont vraiment dessus. Et vous, mes frères et sœurs, dites-moi. Je m'attendais à ce que les gens, quand même, les certains pasteurs puissent un peu parler de lui. Mais les grands que nous on voit, les grands qu'on a l'habitude de voir, ils n'ont pas parlé, pas de poste, pas de communication, rien de chaud, rien. Et bien là, je suis choqué. Et bien là, je suis dépassé moi aussi. Et certains se posent la question de savoir, mais est-ce qu'il y a l'amour dans le cœur des hommes de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'amour, le partage dans l'église? Comment un homme de Dieu ne peut-il pas connaître qui est vrai homme de Dieu? Ils ne se soutiennent pas. Ça veut dire vraiment bizarre. Cela laisse à croire que peut-être que Tibu Yeshua était dans le fou. Et comme eux, ils sont dans le vrai, ils ne peuvent pas le soutenir. Mais mes frères et sœurs, c'est une histoire de mort.
C'est une histoire de mort. Sa femme est en train de pleurer. Ses enfants sont en train de pleurer. Moi, quand j'ai vu sa femme en train de regarder le cercueil, elle regarde le cercueil, elle regarde le ciel, j'ai été choqué. J'ai même été choqué. Je me suis dit, vraiment, même si vous n'aimez pas le gars, allez souhaiter les condoléances à sa famille. Allez souhaiter quand même les condoléances à sa femme. Ouais, allez souhaiter les condoléances. C'est pas de la blague. Vraiment, où va l'église? Est-ce que l'église de Dieu existe encore ici, dans ce monde? Est-ce qu'il existe encore des vrais chrétiens? En tout cas, les gens les plus méchants, les gens qui ont le plus mauvais cœur que moi je connais, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Parlons plus mauvais que les chrétiens. Ouais. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste de savoir cela. C'est pas que je soutiens Tibi Choua, mais je me dis, c'est une histoire de mort, c'est une histoire de la mort, quelqu'un est mort, quelqu'un est décédé, non? On doit aller quand même, on doit quand même mettre nos histoires de côté, enterrer le gars tranquillement et aller de l'avant. Peut-être que certaines personnes vont dire, oh non, nous, on n'est pas demi-mesure, nous, c'est ça ou rien. Mais mes frères et sœurs, ne soyez pas durs. Même trop dur. Si Dieu voulait nous traiter avec une telle dureté, là, je ne sais pas qui serait encore sur la terre. Il y a des gens qui ont subi un peu sa colère dans le passé, non? Mais mes frères et sœurs, vraiment, il faut que l'amour revienne entre les pasteurs d'aujourd'hui. En tout cas, si quelqu'un est un vrai pasteur ou un vrai homme de Dieu, il va avoir le cœur touché. Va quand même dire quelque chose pour essayer de consoler la famille, pour essayer de soutenir. Mais vu ce qui se passe et que nous tous nous sommes en train de voir, cela laisse croire qu'il n'y a plus de vrai homme de Dieu. Mais ça, c'est ce que nous on voit. Mais quel est le deal qui en bas qui fait que ces gens-là ne sont pas allés lui dire au revoir? Ça aussi là, c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des pasteurs occultistes, des pasteurs qui sont dans la même loge satanique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs là-bas, ils se font de ces choses. Peut-être qu'ils ne sont pas venus le saluer physiquement devant vous, mais spirituellement parlant, ils se sont salués. Il les a même donné des pouvoirs, il les a même donné des cadeaux. Ça, c'est dans le cas, bien sûr. Où Tibi Yeshua était dans l'occultisme ou dans le satanisme ou dans une secte. Donc tout ce qu'ils ont à faire physiquement n'est rien. Ils attendront juste après son enterrement pour aller soutirer des choses sur son corps. Je dis bien, là, c'est quand, c'est si et seulement si. Tibi Yeshua était un sataniste. Un pasteur sataniste, un pasteur social. C'est comme ça se passe. Donc, qui veut le saluer aussi physiquement ou pas, ça ne va rien changer. Ça ne va rien dire. Peut-être que s'ils arrivent, ils vont laisser des traces aussi. Ils vont laisser des traces afin que nous puissions voir qui sont les faux. Comme ils n'ont pas envie d'être dévoilés là. Comme ils n'ont pas envie de s'associer à lui devant les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent rester chez eux. Ils préfèrent rester chez eux et attendre la nuit. Dans le noir. Là où ils sont volés la nuit comme des pigeons pour venir faire des trucs qui n'ont aucun sens. Vraiment, c'est grave. En tout cas, tout ce qui est caché sera révélé. Et nous allons tout voir ici sur ce point. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce point, je vais m'en manquer. La description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.